C'est la patate douce qui, avec dit qu'on la mange crue. Tentez un peu le macabre, voir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vie ressemble au derrière d'une poule. Quand ça prend l'œuf, tout le monde est content. On fait les omelettes avec les oignons découpés, les tomates écrasées, les feuilles hachées. Mais lorsque ça défecte, ish, il m'a dit, quelle mauvaise senteur. Est-ce qu'il y a les Mbamwa parmi nous? Applaudissez pour eux. Comment? Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la vie ressemble à la danse du Mbam. Quand tu fais deux pas en avant, tu crois que tu es arrivé. C'est là où tu commences à faire trois pas en arrière. À tout le monde. Mon manger est comment? Niyam l'homme. Et c'est toi? Et c'est toi? Raconte. Très bien. Un monsieur voulait prendre le petit déjeuner chez lui un matin. Alors il envoie sa femme à la boutique lui acheter des œufs afin de lui faire des omelettes. Très bien. La femme arrive à la boutique, elle achète trois œufs. Elle entre dans sa cuisine, prend la fourchette et s'apprête à casser le premier œuf. Elle casse le premier œuf et se rend compte qu'il n'y a pas de jaune d'œuf. Ok. Chose très étrange, depuis quand est-ce qu'il n'y a pas de jaune d'œuf dans les œufs? Peut-être que c'est une erreur de fabrication, se dit-elle. Elle ramasse la fourchette, casse le deuxième œuf. Il n'y a toujours pas de jaune d'œuf. Elle appelle son mari qui était carrément assis au salon. Elle dit, chérie, ça ne va pas passer à la cuisine, je ne fais que casser les œufs. Il n'y a pas de jaune d'œuf. Son mari de lui dit, dis donc, c'est parce que tu portes les lunettes, donne-moi la fourchette. Elle récupère la fourchette, récupère le troisième œuf. Il n'y a toujours pas de. Très bien. Le mari dit à sa femme alors rencontrer le boutiquier. L'affaire, ce n'est pas simple. C'est comme ça que monsieur et madame se mettent en route pour aller rencontrer le boutiquier. Pop, bébé. Pop, bébé. On arrive devant le boutiquier, on pose la question de savoir au boutiquier, mais comment cela se fait-il que toi tu vends des œufs aux gens sans les jaunes d'œufs? Et le boutiquier de demander. Depuis quand est-ce que vous avez vu un boutiquier pondre les œufs? Je ne pond pas les. C'est le fermier qui me livre souvent les œufs. Allez poser la question là-haut. Je ne connais pas les histoires des œufs sans les jaunes. Très bien. Monsieur et madame s'amènent devant le fermier. On pose la question de savoir au fermier comment cela se fait-il que toi tu livres et as les œufs au boutiquier sans les jaunes d'œufs. Le fermier te répond. Depuis quand est-ce que vous avez entendu qu'un fermier pond les œufs? Je ne pond pas les œufs, c'est la poule qui pond souvent. Dès que la poule finit de pondre, je ramasse, je m'en vais livrer chez le bouti. Allez poser la question là, oh bouti. Je ne connais pas les histoires des œufs sans les jaunes. Très bien. On arrive devant la poule. On pose la question de savoir la poule, mais comment cela se fait-il que toi tu ponds et as les œufs sans les jaunes d'œufs? La poule de répondre, c'est vrai que c'est moi qui pond, je ne refuse pas. Mais où est-ce que vous avez vu une poule se lever un matin commencer à pondre comme ça? Pour que la poule ponde, il faut que le coq. Non, hey. Non, tu ne peux pas dire ça. Pour que la poule ponde, il faut que le coq. Chante, applaudissez pour vous-même. Allez, les adultes ici là. Allez poser la question au coq. Je ne connais pas les histoires des œufs sans les jaunes de même comme si c'est vous-même, comme c'est moi qui pond. On arrive devant le coq, on pose la question de savoir au coq, mais comment cela se fait-il que toi tu fais en sorte que la poule se mette à pondre les œufs sans les jaunes d'œufs? Vous savez ce que le coq a répondu? Le coq a répondu ceci. Je vais traduire. Le coq a répondu ceci à monsieur et madame. Depuis un certain temps, j'ai constaté que les poules sont devenues infidèles. Moi aussi, je portais déjà les préservatifs.
Si la barbe de ton voisin brûle, mon frère, trempe la tienne dans l'eau. À tout le monde. Et je n'entends rien. En matière de drague, en matière de... Si une fille vous répond non, ce que cela signifie peut-être. Si une fille vous répond peut-être, ce que cela signifie oui. Mais si d'aventure, une fille vient à vous répondre oui, du coup, c'est qu'elle habite à Miniferme. Une dernière pour la route. Histoire. Un monsieur rentre du travail. Dans la soirée, sa femme l'interpelle avec les noms que les femmes interpellent souvent leur chérie. Mon coucou, depuis que tu es parti au travail, l'ampoule du salon fait ngap. Essaye un peu de toucher. Peut-être que c'est le starter, on appelle ça comment, qui dérange. Tu vois aussi. Le mari dit à sa femme que quand tu me vois là, je n'ai pas fait électricité dans ma vie. Laisse-moi me reposer. Au deuxième jour, monsieur rentre encore du travail, sa femme l'interpelle à nouveau. Mon yoyo, s'il te plaît, quand je suis allée me mettre à l'aise aux toilettes, j'ai essayé de tirer la chasse. Ça n'a pas donné. Et ça aussi, le roi, peut-être qu'un boulon a eu à sauter. On ne sait jamais. Le mari de lui dit que chérie, quand tu me vois là, je n'ai pas fait plomberie dans ma vie. Mon père ne m'a pas envoyé à l'école pour faire ça. Au troisième jour, pour ne pas vous fatiguer les oreilles, monsieur rentre encore du travail, sa femme l'interpelle à nouveau. Avec quel petit nom? Arrêtez, ça m'a forcé pour la femme. Elle connaît. Chouchou, pardon. La chaise du salon danse, ça fait le mérite. Peut-être qu'un clou a sauté. Essaye de chercher un manteau avec un clou, tu tapes aussi dessus. Si un étranger arrive, il s'assoit et tombe, on aura des problèmes. Le mari de lui dit que je n'ai ni fait électricité, ni plomberie, encore moins. Menuiserie, très bien. Une semaine plus tard, monsieur rentre encore du travail et trouve que l'ampoule qui faisait ngam fonctionne normalement. Même les ampoules qu'il y a ici ne voient pas le carreau. La chasse qui avait des problèmes pour tirer, non, ça va déjà correctement. Et bien, la chaise qui dansait ne danse plus, il se rapproche de sa femme, lui demande. Mais chérie, tu as fait comment pour arranger tout ceci? La femme de répond. Inquiète, j'ai appelé le voisin, non? L'homme de commencer à bégayer. Tu as appelé le voisin et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, il a dit que soit que je lui fasse un gâteau ou alors que je lui donne autre chose. Et qu'est-ce que tu as fait? Ok, mon yo, quand tu me regardes là, je ressemble à une pâtissière. Mesdames et messieurs, c'était juste pour planter un petit décor. Merci de votre aimable attention. Et à tirer sur cette scène.